اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة الزهراء وعلى أبيها وأمها وبعلها وأبناء المعصوم والكفار والسر المستودع فيه. Sinon, je le dis, aujourd'hui c'est la fête. Zahra sourit, l'imam sourit, c'est la fête. Manger, buvez, célébrer la grande dame. Voilà, aujourd'hui, mashallah, c'est la 7e nuit du mois de Dumadisani, comme les jeunes l'ont chanté. C'est l'anniversaire de la naissance de Fatima Zahra. Mais qu'est-ce que représente la naissance de Fatima Zahra? En réalité, Fatima, c'est elle le paradis. La naissance de Fatima, ça correspond au jour où Fatima Zahra est venue nous rendre visite dans ce monde-là pour nous montrer le chemin pour aller au paradis, pour retourner là d'où elle venait. C'est aussi simple que ça. Maulana, aujourd'hui je vais le plagier, il a l'habitude de nous dire qu'il n'y a pas de supériorité de la femme sur l'homme, ni de l'homme sur la femme, mais qu'ils sont complémentaires. Quand il a dit ça un jour, quelqu'un a dit, mais donc pourquoi Dieu a choisi les hommes pour être des prophètes et n'a pas choisi les femmes pour être des prophètes, si les femmes sont égales aux hommes? Et la réponse qui lui a été donnée, c'est que tous les prophètes qui sont des représentants de Dieu ont été mis au monde par des femmes et ont été éduqués par les femmes. C'est pourquoi un des petits-fils de Fatima, un des plus grands hommes de Dieu de ce temps, qui s'appelle l'imam Khomeini, il a dit que c'est du giron des femmes que les hommes montent au ciel. Personne ne peut aller jusqu'à atteindre les hauts degrés si il ne passe pas, cet homme-là ne passe pas par les femmes. Donc c'est aujourd'hui votre journée. Pour résumer la place de Fatima, salawatullahi wa salam alayha, il faut savoir que Dieu nous aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, pour nous faire comprendre Zahra, parce que c'est elle qui mène au paradis. Dieu nous a imposé à tous les musulmans d'apprendre par cœur une sourate. C'est la seule sourate qu'il est obligatoire pour tout musulman d'apprendre par cœur, c'est la sourate Fatiha. C'est la sourate Fatiha. C'est pourquoi nous sommes obligés de répéter ça 5 fois par jour pendant les 5 prières. Mais cela pourquoi? Pour nous permettre de comprendre que le discriminant, c'est-à-dire celui qui sépare, ce qui sépare ceux qui vont aller au paradis et ceux qui vont aller en enfer, c'est Fatima Zahra, tout simplement. Qu'est-ce que Dieu nous dit à la fin de la sourate? Il dit « Ihdina sirata al-mustaqim ». Guide-nous sur la voie droite, c'est la voie qui mène au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous définit quelle est cette voie. Il dit « Sirata al-lazina an'amta alayhim ». La voie de ceux que tu agrées, que Dieu a agréé. Et qui Dieu a agréé, on va revenir là. Et non, Sratal le Zinaman Talib, Rayil Mahboub Ali, et non, la voix de ceux qui encourent la colère de Dieu. Voilà Dalin, ni la voix aussi de ceux qui sont égales. Et tout de suite, Cheikh Taha l'a répété, Cheikh Diba l'a répété, Cheikh Mahi l'a répété. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message d'Allah Muhammad, qui parle selon la volonté de Dieu, parce que c'est lui la langue de Dieu, parce qu'il ne parle jamais de son propre chef, il a dit que Fatima est une partie de moi, celui qui me contente, la contente. Et celui qui me contente, contente Dieu. Donc, quels sont les gens que Dieu a agréés? C'est Fatima, son père, ses enfants, son mari et ceux qui les suivent. Les chiites. An'amta alayhim. Ghayri maghdoubi alayhim. Qui sont les gens qui encourent la colère divine et qui vont aller en enfer? C'est ceux qui ont encouru la colère de Fatima. Parce que le prophète a dit que celui qui met en colère Fatima me met en colère moi. Et celui qui me met en colère Dieu. Et Dieu a dit que ceux qui le mettent en colère lui, Dieu, il va les mener en enfer. Voilà, dalil.
ne nous met pas aussi sur la voie de ceux qui sont égarés. Ceux qui sont égarés, c'est ceux qui ne connaissent pas Fatima et qui ne le suivent pas. Ce sont ces gens-là qui sont égarés. Dieu, par sa miséricorde divine, nous impose à répéter cette sourate 5 fois par jour pour que nous puissions comprendre la valeur de Fatima, la suivre et aller au paradis. Voilà, pour Fatima. Maintenant, ailleurs, pour montrer la haute position de Fatima, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ce sont les enfants de Fatima qui vont diriger les hommes jusqu'à la fin des temps et qui vont les diriger pour les amener au paradis. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que sur cette terre, aucune personne ne va avoir la félicité dans ce monde et dans l'autre monde s'il ne suit pas les enfants de Fatima. Parce que Dieu a fait que tous les enfants du prophète sont des enfants de Fatima, parce que le prophète n'a pas laissé de descendance mâle, directe. Donc tous les descendants du prophète sont des descendants de Fatima, salawatullahi wa salam alayha. Et Dieu, et le prophète nous a dit, je vous laisse le Coran et les membres de ma famille. Et le prophète a dit, je vais vous mettre à l'épreuve par les membres de ma famille. Donc les imams infaillibles sont les enfants de Fatima. L'imam de notre temps, l'imam al-Mahdi, salawatullahi wa salam alayhi, ajallahu ta'ala farajouhu, son plus grand surnom, c'est Ibn Fatima, le fils de Fatima. C'est pourquoi quand il va revenir, ceux qui sont contre la famille du prophète, ou bien ceux qui font semblant de les aimer mais de les suivre, bah, dès que l'imam Mahdi va venir et va se présenter, ils vont lui dire, nous n'avons pas besoin de toi. Oh toi, le fils de Fatima, va. Maintenant, pour que nous soyons à l'abri et que nous ne fassions pas partie des gens qui vont renier leur foi quand l'imam va venir, la seule voie, la seule alternative, c'est de suivre déjà les enfants du prophète, même s'ils ne sont pas des imams infaillibles. Parce que l'imam Jafar Sari, salawatullahi wa salam, nous a dit que là où Dieu dit dans le Coran, « Wa ma arsalna min rasoulin illa bilisani khawmi » Je ne vous envoie de prophète, de messager, si ce n'est dans la langue et la civilisation, la culture du peuple auquel il appartient. L'imam nous a dit qu'avant la fin des temps, Dieu va faire surgir chez chaque peuple du monde un homme de la descendance du prophète dont la mère fera partie de ce peuple. Et ces gens-là auront la mission de préparer la réapparition de l'imam al-Mahdi, salawatullahi wa salam alayhi. Nous l'avons devant nous, c'est Mawlana Sherif Mohamed Aleda, son père Sherif Al-Hassan, descendant direct du prophète, par Idriss Asraf, par Idriss Akbar, par Abdoulaye Kamil, Hassanul Moussana, Hassanul Mushtaba, Fatima Zahra, Imam Ali, Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. C'est ça le shérif Al-Hassan. Et sa mère, Sokhna Maymouna Diao, princesse Peul du Fouladou, qui répond aussi aux critères de femme vertueuse d'un peuple, issu d'un peuple qui sera la mère des représentants de l'imam. Salawatullahi wa salam alayhi. C'est pourquoi il y a pas de hasard. Sherif Al-Hassan avait pour mission de venir ici dans nos pays pour préparer la mission de son fils, Mawlana Sherif Mohamed Aleda. C'est pourquoi Mawlana nous a dit, nous a enseigné et nous a fait des injonctions pour que nous ne nous trompions pas. Et ça, tout ce qu'il nous a dit, si nous allons dans les livres de Hadith, on va trouver tel quel. Quand Mawlana nous dit que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à Najaf, d'aller à Karbala, d'aller à Médine, d'aller à Casimir pour rendre visible au prophète, à Fatima Zahra, aux 12 imams infaillibles, alors s'ils n'ont pas ces moyens-là, s'ils viennent à Muzdalifah ici, ils auront la récompense. Et s'ils viennent maintenant à Darou Hijra, le village où se trouve son père, ils auront la récompense de ceux qui sont allés à Karbala, qui sont allés à Najaf, qui sont allés à Médine, qui sont allés à Casimir, qui sont allés rendre visite aux imams infaillibles. Ça déjà dans les livres de Hadith, dans le livre le plus courant, Mufatihul Jinan. Si vous allez à la partie où on parle de visite aux morts, il y a visite aux imams, visite aux fils des imams. Il y a une partie où on parle seulement de visite aux morts musulmans. Dès l'entente, au début, on nous dit que l'imam Jafar Sadiq a dit, celui qui ne peut pas
venir jusque dans nos tombeaux pour nous rendre visite, qu'il aille rendre visite au tombeau d'un ou bien d'une personne qui nous a fait allégeance. Il dit que le fait seulement de rendre visite au tombeau d'une personne qui nous a fait allégeance aux imams équivaut à la récompense d'une personne qui a visité l'imam. Maintenant, si cette personne est le fils de l'imam, si cette personne est le descendant de l'imam comme Shérif Al-Assad, mais c'est une double récompense qui aura lieu. Et là est la Bajan, que tout le monde connaît, qui est une référence dans tout le monde sud, il est allé même un peu plus loin que Maulana. Il dit que même si vous quittez chez vous, vous venez dans une Koussaïnia comme ici, ne dites pas je vais aller chez Shérif, je vais aller à Moussa, dites je vais aller chez l'imam Koussaïn. Il dit là-bas vous allez trouver le petit-fils du prophète, là, c'est l'imam Koussaïn que vous allez trouver là-bas. C'est l'imam Ali que vous allez trouver là-bas, c'est Fatima que vous allez trouver là-bas. Et c'est pourquoi, si vous allez en Iran, il y a un lieu qu'on appelle le mausolée de Abdul Azim. Tous les Iraniens, tous les chiites du monde sont d'accord sur le fait que celui qui ne peut pas aller à Karbala, s'il visite Abdul Azim, qui est un descendant de l'imam Hassan, comme Shérif Al-Hassan Haïdara, celui-là, il a visité l'imam Hussein à Karbala. Ils sont d'accord. Tous les chiites du monde sont d'accord sur le fait que celui qui visite Fatimata Masouma, qui est la sœur de l'imam Rida, c'est comme si tu as visité Fatima Zahra. Maintenant, quand on nous dit que celui qui va à Dar, le jour de Ashura, c'est comme si tu as visité l'imam Hussein, ça pose problème. Voilà les gars. Bon, si c'est des Iraniens, des Arabes, des Perses qui sont descendants du prophète, c'est voilà. Mais si c'est des Africains qui sont descendants du prophète, ce n'est pas voilà. Mais vraiment, il faut réfléchir. Le cerveau, ça sert à réfléchir. Et pour vous donner un exemple, certains disent que oui, Shérif Al-Hassan n'était pas un chiite. Mais qui leur a dit qu'il n'était pas chiite? Mais on a, si vous étudiez l'histoire du chiisme, tous les grands qui ont instauré, qui ont implanté le chiisme dans des zones reculées, quand ils faisaient cette implantation, ne se sont pas présentés comme des chiites. Je vais vous donner un exemple qui est l'exemple le plus connu. Tout le monde, tous les chercheurs connaissent celui qu'on appelle Jamaluddin Al-Afghani. On dit que c'est le plus grand réformateur musulman du 19e siècle. C'est lui qui a revivifié la pensée islamique, qui a fait le tour du monde. C'est lui le maître de Mohamed Abdou, qui était le recteur de l'université de Al-Azhar. C'est lui le maître de Mohamed Iqbal, qui a fait le. On dit que c'est l'un des plus jolis poèmes sur Fatima Zahra. C'est lui, Mohamed Iqbal, qui dans son poème dit « Les chrétiens se glorifient d'avoir comme référence Marie parce que Marie est la mère de Jésus, de Issa. » Il dit « Qu'en est-il de nous ?» Alors, qu'en est-il de nous les musulmans par rapport à Fatima? Il dit que si le mérite de Marie, c'est d'être la mère d'un prophète, nous, notre Zahra, salawatullahi wa salam alayha, elle est fille du prophète. Elle est épouse du représentant du calife et du successeur du prophète, l'imam Ali. Elle est la mère des imams infaillibles désignés par Dieu pour succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a un mérite par rapport à Marie et à Zahra, tout le monde sait que donc c'est Zahra qui est plus méritante que Marie. Mais ce Mohamed Iqbal là, il était le disciple de Jamaluddin Al-Afghani, qui a fait tout ce travail de revivification de l'islam. C'est à sa mort, dans son testament, qu'on a su qu'il est un chiite et qu'il s'appelle Seyyid Al-Assad Abadi et que le mot Afghani, il l'a emprunté, mais il n'était pas Afghan, il était Iran, il était dans la région de Asrani. Et qu'il était un Seyyid descendant du prophète, bien qu'il se présentait partout comme étant un musulman de rite en Afrique, Abu Lanif. Qui vous a dit? Maintenant, Shérif Al-Hassan, c'est là où je vais terminer. Quand Maulana a écrit son livre, Les vérités de la succession, quand il lui a présenté, il lui a dit, ça, tout le monde doit retenir ça. Il lui a dit que tout ce que tu dis dans le livre là, c'est vrai. Mais je tiens à te rappeler que c'est pour ces raisons-là que moi je suis ici, dans la forêt de la Casamance, et que je ne suis pas à Médine, là où nous habitons, et que tous nos ancêtres ont vécu dans l'isolement, ont vécu dans des problèmes à cause de ces vérités-là. Nous sommes chargés de les transmettre, de les enseigner, mais toi, tu es en train de les enseigner de manière crue. Mais tout ça, c'est la vérité. Et là, il faut que tu fasses attention parce que nous sommes des étrangers ici.
C'est là où Maulana a compris qu'il a reçu maintenant l'ordre de son père de faire le travail, parce que lui, son père est un étranger, parce qu'il venait du Maroc, de la Mauritanie, il est venu en Casamance, mais lui, il n'est pas un étranger parce que sa mère est une princesse sénégalaise et que son grand-père était un roi et que là même où se trouvait son grand-père qui était le chef de canton, donc lui, il ne peut pas être étranger. C'est que son père, l'imam Hassan, que Chérif Al-Hassan, ne pouvait pas dire de manière ouverte, lui il peut le dire et il l'a dit. Et depuis qu'il l'a dit, c'est en ce moment-là que tous les chiites que nous connaissions là, et dont même les femmes ne savaient pas qu'ils sont des chiites, se sont mis à parler. Maintenant, si c'est des gens de cette espèce-là qui sont en train de nous contester, ils n'ont qu'à nous contester jusqu'à la fin du temps. Oman Sha Afali Yukmin, Oman Sha Afali Yamfou. Parce que l'homme d'or, il y a l'homme d'or. Et Dieu a décidé, personne n'y peut rien, que ce sont les enfants de Zahra qui vont dominer, qui vont diriger le monde. Et Dieu a fait aussi, même actuellement, regardez dans le monde, regardez ce qui se passe dans le monde chi. Si vous allez en Iran, c'est un fils de Fatima qui dirige tout le monde, Sid Al-Khamenei. Si vous allez en Irak, c'est la même chose. Vous avez l'Ayatollah Sistani, vous avez les Shiraz, tout ça, c'est des descendants de Fatima. Vous avez Oliman, c'est Aslan Nasrallah, c'est des descendants de Fatima. Même les Houssi, Mal Houssi, c'est un descendant de Fatima. Maintenant, où est le problème? Si dans tous ces pays-là, que les gens l'ont voulu ou non, Dieu a fait qu'actuellement, tous les dirigeants chiites qui sont écoutés et qui travaillent sont des descendants de Fatima. Et que nous avons aussi notre descendant de Fatima. Et nous lui avons fait allégeance et nous écoutons ses conseils. Nous sommes ses disciples. Et tout ce qu'il dit, d'abord, mange. Lui, il est juste, il dit qu'il ne s'adresse qu'à ses disciples. Maintenant, ceux qui ne sont pas ses disciples, mais ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquille. C'est pas ça. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad.